Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Plus ça va, plus je recule la lumière. C'est marrant. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une très bonne semaine. Et que ce week-end s'annonce très bien pour vous également. Pour ma part, ça va très bien. J'ai hier. Enfin, une petite dépense. J'ai acheté ça dans ma ville. Une petite 2DS. Des plus stylées en bleu transparent. Et j'avoue que je suis assez friand de ce type de console transparente. Donc j'avoue que quand je l'ai vue dans ma ville à 20 balles, j'ai craqué. J'ai craqué. Sachant qu'elle était à 20 euros avec. MXVSA TV, j'ai plus la pochette, tant pis, ni la notice. Practice English, bon ça, sans plus. Et Sega Superstar Tennis. Bon, pas de jeu de ouf, sachant qu'à la base, il devait y avoir Mario Kart 7. Enfin, le mec m'avait annoncé, ouais, j'ai Mario Kart 7 dans le lot. Et au final, il m'a dit, ah bah non, je l'ai plus. Voilà, super. Tant pis pour 20 euros, j'ai pas trop chipoté, sachant qu'elle est vraiment en excellent état. Je m'en fous. Et les jeux qui sont proposés, ça va, j'ai connu pire. Et elle a l'air de très très bien fonctionner, elle a besoin d'un petit coup de nettoyage, comme d'habitude, de toute façon sur toutes les consoles de type portable, il faut les laver, hein. La carte a été. Ah! Elle fonctionne pas si bien que ça, visiblement. Merde, je l'ai éteinte. C'est peu réactif, ce genre de système. Hier, j'ai joué à quoi? J'ai joué à. Au jeu de tennis là. Ça avait très bien marché. Ah oui, et il y a une carte SD de 4 Go dedans. Bon, ça fait toujours plaisir. Visiblement, le gamin s'appelait Axel. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble ce genre de jeu. Ça, c'est un jeu DS. J'ai aucun jeu 3DS dessus. Enfin, j'en ai perso, mais j'en ai pas eu avec. Je pense qu'il les a tous gardés. Ah, ok, c'est quand même un jeu 3D. C'est quand même un jeu 3D. Je crois que les jeux MXVS7 avec, ils ont pas fait fureur. À leur sortie. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait toujours ça en plus dans la collecte. Voilà, ça marche très bien. Petite console achetée 20 euros. Ça va, c'est raisonnable pour une 2DS. Sachant que ça a une édition bleu transparent. Elle a quelques. Bon, à mon avis, elle a pris quelques chutes. C'est des petits accros sur les côtés. Elle est pas neuve. Elle est en bon état, mais elle est pas neuve. Et elle est plutôt propre par rapport à celle que j'avais. Enfin, par rapport à celle que j'ai que j'ai acheté en sale état. Donc voilà, ça c'était ma petit mon petit achat d'hier. Et du coup, je l'avais mise en comparaison avec celle-ci qui est aussi bleue transparente et qui on va peut-être s'en occuper aujourd'hui aussi. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est cette Wii U, enfin celle qui est à côté. Salut Angel Fire, comment vas-tu? On a cette Wii U. Alors, ce qui est cool, du coup, avec la Wii U, c'est que j'ai bah, toujours mon boîtier de capture qui décide de faire des siennes et qui veut pas fonctionner. Et donc, du coup, tout est retransmis sur cet écran, donc ça passe. Ça passe très bien, le fait d'avoir le deuxième écran. Très bon point. Et donc, j'ai mis Super Smash Bros. Wii U dedans. Rentrée des courses, prix des munitions pour l'apéro de ce soir. Ah, yes!
Moi, c'est à l'heure que je vais en course pour l'apéro de ce soir. Pour le repas de ce soir, plutôt. Je suis Garou. Salut le portugais qui murmure. Marrant le petit pseudo. D'ailleurs, ce soir, c'est moi qui cuisine et je vais me lancer dans un hachis parmentier. Bon, on verra ce que ça donne. Je demanderai de l'aide à mes convives pour éplucher les patates. Bref. On a cette Wii U, elle veut pas lire le jeu, alors que le jeu, je vais vous le montrer, il est juste neuf, hein. Il n'y a pas une rayure. Hein. Donc autant vous dire, j'ai assez confiance en ce jeu. Donc du coup, on va éteindre la console et on va lancer le démontage. Alors c'est une console que j'ai jamais démontée. Ça. Non, ça marche pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du coup. Non, je crois qu'il y a une autre façon. Là, elle est juste en veille, je crois. Si je rappuie. L'éteindre correctement parce que bon, c'est quand même plus sympa. Ça, c'est une Wii U que j'ai acheté il y a. Il y a un certain temps. Non, il n'y a pas de lecteur de disque. Mais je crois qu'on a un lecteur carte SD là-dessus. Non, j'ai un stylet. J'ai un stylet intégré. J'ai le son intégré. Mais j'ai pas deux écrans. Pas de lecteur d'ici. Alors on peut pas trop demander. Console qui peut quand même servir pour regarder Netflix et YouTube. Ok, donc là c'est éteint. Et donc nous ce qui nous intéresse. C'est cette partie-là. Hop, juste des zoomex. Hop là. C'est cette partie-là. Galaxy S10. Ah oui, elle devrait être contente. Normalement, t'es plutôt content avec un Galaxy S10. C'est un beau cadeau. Donc en façade, on a carte micro SD, deux ports USB. C'est pour des yeux. C'est pour des yeux. Puis on va se lancer dans le démontage. Je vais juste regarder par quoi il faut commencer. Alors c'est con, c'est que cette console, je l'ai payé quand même le prix fort. Enfin, je l'ai payé 80 euros avec genre 6-7 jeux, 2 manettes en plus. Que du Mario d'ailleurs. 2 manettes en plus avec le pad et tout. Oh! Le doc est présent! Merci pour le follow, bienvenue à toi! Et salut voisin! Ah, voisin! Je me suis occupé de ta DS, ta 3DS. J'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé. Au niveau des connectiques de l'écran, je l'ai relancé. J'ai joué avec. Ça chauffe salement. Je sais pas pourquoi. Faut que je la réouvre pour voir où est. Enfin, quelle pièce chauffe. Et une fois que je saurai, bah je verrai ce que je peux faire. Mais c'est vraiment bizarre, parce que ça chauffe pas au niveau des nappes, ça chauffe au niveau de l'écran à l'arrière, l'écran du dessus, mais au niveau du dos, et ça chauffe au niveau des boutons droite, en bas. Donc c'est un peu bizarre. Je m'en occuperai, je la redémontrerai du coup. La pâte thermique, ouais, sur une 3DS. Ce qui est bizarre, c'est que normalement, tout ce qui est processeur et tout, c'est sous le port cartouche. Et c'est pas là que ça chauffe, en fait. Donc c'est vraiment bizarre. C'est plus au niveau de, je sais pas, carte Wi-Fi, micro. Mais vraiment des endroits qui sont pas censés chauffer. Donc on va voir ça. Je vais m'en occuper. Vous m'entendez bien par rapport à la musique ou pas? Ouais, si ça semble pas trop mal. Je suis un peu du double au-dessus. C'est pas trop mal. Donc, on va aller sur le site internet iFixit. Non, même pas. Oui, c'est une 3DS, hein, pas celle-là.
Celle-ci, ça doit chauffer aussi, mais on va peut-être s'en occuper de ça, justement l'entretenir un petit peu tant que ça s'ouvre. La coque n'a pas été problématique. Non, non, la coque, nickel. Je parlais de cette machine-là. Qui fait sa capricieuse et qui a décidé de chauffer sale. Non, la Wii U, elle chauffe pas trop. La Wii U, c'est vraiment un problème de lentilles ou je sais pas. Unmount, Wii U. Take a board. Et je veux pas le contrôleur, hein, surtout. Là, on va regarder une petite vidéo ensemble. Ok, donc ça, les petits pavés, je les avais repérés. En faisant bien attention de ne pas la rayer, etc. Ok, donc il enlève tous les petits patins, toutes les petites vis. Après, on a accès aux vis, on dévisse tout ça. Il y en a aussi sur le côté, faut faire attention. Et après. Ça se coulisse. Non, d'accord, on enlève le dessus. Le dessus. Donc côté power n'est pas vissé, visiblement. Ah si, il y a deux vis, il y a des vis. Et après, t'as re-accès à des vis. Putain, allez, hop, on va poser ça et on va faire ça au fur et à mesure, bien entendu. On va prendre une petite lame. On va prendre les tournevis. Bon, si le son est nickel, ça me va. Je parle un peu du nez en ce moment. Je suis un peu la maladie qui commence à refaire face. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va s'occuper des petits patins. En fait, le truc qui est chiant avec. Avec les petits patins comme ça, glossy, c'est que souvent ça les raye. Le mieux, ça doit être, c'est de les changer, mais bah faut en avoir en rab. Et faut les trouver surtout. Donc le mieux, c'est essayer de les décoller sans les abîmer. Genre comme celui-ci. Tu mets pas de gants de chirurgien, honteux. Tu rigoles, mais en vrai, il m'en faudrait, notamment quand je manipule l'alcool. Donc là, le but étant de ne pas rayer. Et la coque. Et le patin. Donc on fait attention. Bon, après, ça va, c'est le dessous de la console. C'est non visible au commun des mortels. Donc ça passe. Mais plus on fait ça propre, plus ça restera d'origine. Et plus tout le monde il est content. Attendez, est-ce que je vous fais pas un petit gros plan pour. Regardez ça. Look et date. Allez, le focus. Voilà, il est gentil. On va éclaircir un petit peu. Regardez ça. On fait un zoom. Et ça va être le seul que je vais foirer, vous allez voir. On glisse en dessous. On soulève. On évite de toucher la partie collante. Et on pose sur le côté. Hop. Un autre. Tac. J'essaye de bien expliquer maintenant. Car j'essaye tout simplement de faire des tutos avec ce que je dis et ce que je montre. En utilisant justement les vidéos de mon stream. Donc, plus j'en dis. Moi j'aurais en redire. Et merci quelqu'un. Bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Donc, on a fait nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Hop. On dévisse. On dézoome, je veux dire. C'est là qu'ils avaient caché les vis. Et oui.
En dessous, de l'autre côté, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Ah, ici, on en a une. Ah, celle-ci est bien visible. On fait attention. On n'en a pas qu'une, on en a deux. Donc ça, pareil, c'est le dessous de la console. Oh! Bah, merci à toi pour tes 5 bits. C'est génial de faire une chaîne de tuto de réparation. Eh bah, écoute, content que ça te plaise. Content que ça te plaise. On a encore une autre vis là. Mais ouais. Parce que les tutos. Moi, ce que je trouve frustrant sur les tutos vidéo YouTube, c'est que quand ils le font, le plus souvent, ça se passe nickel. Ils ont pas un accroc. Il n'y a jamais rien qui se passe mal. Que là, bah, tu viens en live et tu vois comment c'est galère. Ayant une Wii U 32 Go, ça m'intéresse. Eh ben écoute, c'est parfait. Parce que c'est exactement la même que moi. Donc je vais commencer par ça, parce que je me demande ce qui se cache là-dessous. Ah, c'est la pile! Putain, ils ont fait ça bien! Ils ont fait ça bien. La pile est accessible. Là, on a une petite grille qui doit pouvoir s'enlever, mais je sais pas ce que c'est. Alors, je sais pas s'ils ont fait ça tellement bien que l'on peut même... Hop, on enlève la vis. Grosse vis, d'ailleurs. Oui, voilà, bah, c'est ce que je fais aussi. Mais du coup, en live, tu te rends compte que, bah, sur les vidéos, bah, c'est pas si simple que ça. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. C'est surtout, voilà. Bah, vous l'avez bien vu, hein, ceux qui sont là souvent, c'est pas toujours tout rose. Hop. Je vais essayer de renifler le moins possible. Parce que d'ailleurs j'écoutais ma rediff pour faire le. Je suis en train de faire une vidéo sur la réparation du pad Neo Geo là. Juste amateur. Juste amateur. J'ai pas de formation dans ce domaine-là. C'est deux passions. J'aime tout réparer. Et là, je me suis spécialisé du coup sur Twitch avec les consoles. C'est ce qui attire le plus. C'est marrant ça. On a du cruciforme à certains endroits. On a du tri-wing à d'autres. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais. Bah, merci à toi. Je fais les voitures aussi. J'aimerais bien en faire en live. Faire des petites maintenances de. Enfin, de trucs qui sont faisables. Mais le problème, c'est que c'est pas évident d'avoir un endroit où tu captes la 4G et qu'en plus tu puisses réparer ta voiture. Donc bon, un jour peut-être ça viendra. Un jour j'aurai un garage avec la 4G. Alors, c'est quelle partie? Oui, c'est cette partie-là qu'il a enlevée en premier, monsieur. D'accord. Donc cette partie-là, ça se coulisse. On coulisse et on lève. Et là, on a accès à là-dessous. Alors, à d'autres vis. Parce que les vis, on adore ça. Mais moi, je me demande vraiment ce que je peux faire avec ça. J'ai l'impression que ça de... Bah, souvent, en fait, au Nintendo, ce qu'ils font, c'est que en les vis qui sont en apparence. Elles sont. Les vis qui sont en apparence, elles sont tri-wing pour décourager les personnes qui veulent démonter leur console. Et celles qui sont cachées, elles sont en cruciforme. D'ailleurs, là, c'est du gros tri-wing. Je suis habitué au petit tri-wing de. 2DS et 3DS, mais là c'est du gros. Ah oui, non, ça c'est sûr. Non, mais souvent c'est bien conçu, hein, ces machines-là. Très bien, donc on a plein de vis en moins. Ah, ça a l'air de vouloir se soulever ici. Hein. Est-ce que ça se coulisse? Non, ça ne se coulisse pas.
que ça se soulève? Oui, ça se soulève. Très bien. Dites-moi plus, jeune homme. Et salut Rockstar, comment il va? Donc l'objectif, la mission d'aujourd'hui, c'est de la faire fonctionner. Hein. Je tiens à le dire. Parce que comme j'ai de la visite ce soir, ça peut être sympa, tu vois, de se faire un petit Mario Kart 8. Bah écoute, ça va très bien. Ok, donc il soulève. Il soulève. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a oublié une vis. Bah alors, bonhomme. On enlève la vis. Ça arrive tellement souvent. Ils en mettent tellement partout et elles sont cachées. Alors, est-ce qu'il tire comme un bourrin? Est-ce qu'il fait quelque chose de soin? Oh! D'accord. Ok, c'est un petit peu clipsé à l'avant. On va essayer de faire ça bien. Donc, on soulève un peu. On essaye de tirer. Et c'est clipsé par là. Alors, j'ai de la chance, je me suis pas trop coupé les ongles. Du coup, je peux utiliser mes ongles. Mais sinon, avec un médiator. Alors, il y a certains constructeurs qui pensent à nous, les réparateurs, et qui font des trucs qui sont assez, assez simples à ouvrir. Mais il y en a d'autres qui n'en ont rien à foutre. Et qui font des trucs qui ne s'ouvrent pas. J'ai l'impression d'oublier une vis ou un truc là par là. Qui a ramené son Vectrex au bureau. Mais non, excellent ça. C'est pas tout jeune, hein, le Vectrex. Hein. Puis c'est pas commun en plus. Plus de pas être tout jeune. Ça défonce. T'as le mec qui était grave chaud, hein. Parce que putain, pour ramener un Vectrex. Pourquoi ça vient pas là? J'ai une autre vis qui traîne. Non, j'ai pas de vis qui traîne. J'ai envie de forcer sans forcer parce que ça va faire des traces. Et ça va faire des traces sur le dessus. J'ai pas envie. Lui aussi, ça va, ça me rassure. Il est aussi coincé dans le coin. Il a envie de tirer comme un bourrin. Il a envie de lever. Il a remarqué que le patin en caoutchouc cassait les couilles. Ah d'accord, et en enlevant le patin en caoutchouc, ça aide. Donc, voilà. C'est vraiment le petit patin en caoutchouc à la con. Qui fait yesh. Très bien, donc on a le dessous de notre console qui a une petite protection. C'est pas dégueu. Donc, on avait le petit patin qui faisait un peu chier. Ça va, je pourrais le remettre. Et, alors ça c'est marrant, c'est que... Ouais, d'accord, c'est une petite grille de ventilation qui peut s'enlever. Alors pourquoi ils ont fait ça amovible? Je me pose la question, parce que visiblement, faut quand même démonter la console pour pouvoir y accéder à cette chose-là. Mais bon, c'est pas grave. On pose ça sur le côté, et là, on a notre grosse bébête. Ça, c'est l'intérieur de la console. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Hein. C'est le lecteur. On va essayer de l'ouvrir et de lui nettoyer sa petite lentille. Mais pas que. On va dépoussiérer aussi cette machine, parce que tant qu'on y est, autant le faire. Alors, je sais pas s'il y a de la pâte thermique sur cette console, ou si c'est des patins ou autre. Bah, en fait, elle lit plein de... y a plein de jeux qui se lisent. Genre, j'ai Minecraft, ça se lit, j'ai Mario Kart, ça se lit, j'ai plein de jeux qui se lisent. Mais genre là, par exemple, j'ai Smash Bros. Wii U. J'ai Smash Bros. Wii U, qui est dans un état nickel. Enfin, le jeu, il n'y a pas une rayure. Vraiment, il est neuf. Bah non, il se lit pas.
Et du coup, c'est un peu problématique. Donc, comment on va faire maintenant pour accéder à notre lecteur? Hop. Donc, je pense qu'un petit nettoyage de lentilles, ça lui ferait pas de mal. On enlève la petite. Hop. Il est trop neuf. Ah merde, j'ai tiré dessus comme un connard alors que c'est pas fait pour. C'est une petite languette. Bon, c'est pas grave. Donc, faut bien faire attention. On tire pas dessus. Attendez, je vais le remettre pour voir. Alors, je sais pas trop comment c'est censé marcher cette chose. Bref, on verra plus tard. On sent que c'est ça a jamais été démonté. Donc on a notre façade. Et on va pouvoir accéder à notre lecteur. Alors après, je me demande si pour enlever le dessus, j'ai besoin d'enlever tout le reste. On va voir. Si j'enlève ces deux vis-là, on va voir si je peux enlever mon capot supérieur. Ou si je dois tout enlever. Ok, ça peut venir, mais j'aimerais bien savoir comment c'est fichu. Peut-être que ça se glisse. Non, ça peut se lever, visiblement. Mais au vu de comment c'est fichu, regardez, on a cette partie-là, et puis après t'as la façade. Si, ça devrait pouvoir se glisser, mais je dois enlever cette vis noire juste ici, qui est pas des plus accessibles. Donc on enlève tout ça. Et on accède à l'intérieur. Ok. Où tu es, petite lentille? Donc là, c'est concrètement ce qui nous intéresse. Donc on peut voir plein de choses, hein, qui sont ma foi intéressantes. Moi, je me demande si je devrais pas l'enlever, le lecteur, pour moi me faire chier. Sachant qu'il ne tient plus par grand-chose, notamment cette vis-là. On va l'enlever. Comme ça, on sera plus à l'aise. Donc, c'est pas obligatoire, visiblement. Mais tant qu'à faire, on va l'enlever. Oh, bah merci pour les tiens. Bah du coup, une personne anonyme. Alors, ok, donc on fait attention, on n'enlève pas comme un bourrin, on fait pas comme tout à l'heure. Merci à toi pour les tiens. Et en dessous, on a une nappe. Je vais essayer de vous la montrer, parce que c'est quand même pratique. Ça fait penser au Discman. Au moins, la lentille était directement accessible. Ah oui. On a la nappe. On soulève et on retire. Et ça va être un enfer à remettre. Je le sens. Et donc on a notre lentille qui est parmi nous. Donc après on va lui mettre un petit coup de dépoussiérage. Et je suis pas sûr que je vais lui faire un entretien complet. Je vais voir. Je sais pas si elle le mérite. On a notre lecteur. Ça fait plaisir. Hop. Comment on va faire? On va enlever
cette grosse plaque sur la façade car la lentille est juste en dessous visiblement. Ah oui, et si vous entendez du bruit derrière, on a de la visite pour les deux chatons qu'on a en famille d'accueil. Donc, c'est normal. Donc là, on fait attention parce que tout ce qui est lecteur, c'est, ma foi, des pièces mécaniques un peu partout. Et on essaye de pas tout dérégler. Donc, on voit bien notre lentille qui est juste ici. C'est quoi sa panne exactement à s'allumer? Alors elle s'allumait, elle fonctionnait très bien, mais elle lisait certains jeux et d'autres elle ne les lisait pas. Donc on va nettoyer sa lentille et Inch'Allah ça repart. Hein. Inch'Allah ça repart. Donc sa lentille est juste ici. Un petit focus. Voilà, petite lentille. C'est vraiment de la petite lentille. Moi, je suis habitué aux lentilles de vue. Non, je rigole. Aux lentilles PS1, PS2, etc. Et c'est un peu plus balèze. Mais c'est pas grave. On va laver ça quand même. Je reviens dans 2 secondes et demie. Je vais aller chercher un coton-tige. Et par la même occasion, je ne suis pas un sauvage, je vais juste dire bonjour aux gens qui viennent visiter les chatons. Je vous laisse vous délecter de cette parfaite musique. Je reviens vraiment dans 1 minute. Tu te sens observé. Elle te regarde. Ouais, j'ai vu les disques de nettoyage, mais je sais pas ce que ça vaut du tout. Ah oui, donc ça, c'est les disques de nettoyage vraiment oui. Qui sont d'occasion, du coup. Moi, je vais tenter à l'alcool. Alors, ça se trouve, ça a juste plus me lire aucun jeu. Je sais normalement que Mario Kart, ça lit. Quoi qu'il arrive. Donc, on va prendre la lentille. J'ai de l'alcool à 99,9%. Donc, autant vous dire que c'est pur. Donc, on en met sur le coton. Ça va se bourrer la gueule. Ah bah là, 99%, je pense que tu décèdes surtout. Et on en met un petit peu. Hop, je vais faire un petit zoom. C'est la première... Alors, sachez que c'est la première fois... Ça avait bien fonctionné. Bah écoute, on va voir ça. C'est la première fois que je le fais, hein. Donc on frotte doucement, sans trop appuyer, ça sert à rien. Le but n'étant pas de rayer. Hein. Ah oui, c'est un petit moment érotique, effectivement. Ouais, ouais, ça bouge. C'est des lentilles qui sont sur pilotis. Mais
Je vais remettre un petit moment, un petit coup. Bon, pour manipuler l'alcool. L'alcool, on essaye de se protéger. Hein. Normalement, on met un petit masque, on aère la pièce, on met des gants. Ok, c'est nickel. Ta lecture de CD saute. C'est pas tes courroies qui sont genre pas tendues, mal tendues ou ce genre de choses. Donc là, le temps de remonter, ça devrait sécher. On essaye de pas être trop brusque pour éviter de mettre des poussières un peu partout. Sur un vieux lecteur, ça peut être plein de choses, hein. Tu sais, les courroies et tout. Là, je vous avoue, mon problème de lecture de jeu, si c'est pas la lentille, je sais pas ce que c'est. Oh, meilleure musique. Est-ce que je vous avais déjà montré mon tournevis? Excellent ou pas? On remet nos vis, nos trois vis. Hop. On va même remettre ça. Comme ça. J'aurais peut-être dû même en profiter pour mettre un coup de soufflette à l'intérieur. J'y ai pas pensé. Tant pis, on va essayer comme ça. Alors attends. Hop. Voilà. Donc ça se glisse. Ça se glisse dedans. Tonton Lévis envoie un message d'SOS pour maltraitance. Oui. Je maltraite pas mes outils, voyons. Toujours entretenir le matériel, c'est important. Donc là, on a notre grosse bête. Est-ce que je change la pâte thermique là-dessus? Ça lui fera un petit entretien tant qu'elle est ouverte. Sachant que si ça n'a pas fonctionné, mon problème de lentille. Ah, quoi qu'en fait, avant ça, je vais lui mettre un petit coup de dépoussiérage. J'ai de la bombe à air sec. Ça, on va le faire. Mais. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est assez facile à ouvrir donc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais essayer comme ça. Je vais juste lui mettre un petit coup de dépoussiérage vite fait. Comme ça, c'est propre. Et si ça fonctionne, en vrai, je la laisse comme ça. Je vais pas plus loin. Et je ferai la pâte thermique plus tard. Quoique, en vrai. En vrai, ça chauffe. C'est à quel âge une Wii U? Il y a une date ou pas? 2012? Ouais, ça commence à avoir pas mal, hein. Donc en vrai, un petit coup de 2012, il est marqué en dessous. Donc ça fait plus 7 ans. 7 ans, la pâte thermique, elle commence à être pas mal, hein, normalement. Donc en vrai, ça lui ferait pas de mal. Je vais lui mettre un petit coup de bombe à air sec. Je reviens. Petite bombe à air sec. Je me mets à la fenêtre, hein, vous comprenez que j'ai pas envie de mettre de la poussière partout.
Désolé, j'ai mis un peu plus de temps. J'ai enlevé le grillage qu'il y avait à ma fenêtre. Bon, elle est ma foi propre. On va juste rebrancher notre lecteur, qui va être un enfer à rebrancher, je pense. Et... Tac. On est parti. Ah bah non, ça va. Je suis pas sûr de bien l'avoir mis. Ok, on est bien. Il démonte tout. Ok, on est bien. Je vais rebrancher ma façade si j'y arrive, parce que j'ai pas vu comment c'était fichu. Et j'espère ne pas l'avoir cassé. Je remets pas les vis, hein, c'est exprès, c'est vraiment pour le test. Hein. Peggy 18. Là, on a une petite... Hop, on va remettre un peu de lumière. J'aime quand c'est lumineux. Bah, c'est un peu cramé, là. Paf. Là, on a un petit patin en tissu. Enfin, une petite, un petit voile en tissu. On le souffle un petit peu parce que c'est lui qui vient prendre la poussière quand tu mets dans le lecteur. C'est pas mal du tout. Hop. Essayez de vous montrer un petit peu. Qu'est-ce que t'as? Oh, il s'en va? Oui. C'est vrai? Ils les prennent? Ils les prennent. Oh, ils en ont un autre? Non. Bah. Oui. Elle va s'ennuyer toute seule. Oui, j'avais quelques boules. Oh, le chaton. C'est pas grave. Oui. On a toujours l'autre là. Il est où? Il est là, là. Ah non, c'est elle. Oui. Elle est là. Oh là là, la tête là, elle aime pas se faire porter. Je l'ai ouvert. Ouais. Mon disque, ça a disparu sur PC. Moment chat. Ah bah oui, toujours un petit moment chat. Ah bah oui, c'est sûr, c'est plus classe que le chariot, mais je pense que c'est plus cher. Merde, mais comment ça marche cette chose? Ok, faut appuyer très fort. Faut appuyer très fort sur ici. Très bien. Ok, donc c'est rebranché, c'est tout bon. Normalement, on a besoin de rien d'autre. On a besoin du pad, qui est ici en train de recharger, car j'utilise tellement rarement qu'il avait plus de batterie. On va brancher le HDMI, ainsi que l'alimentation. En soi, c'est une console qui est quand même bien optimisée, parce que, en termes de ventilation... Ah oui, là c'est le moment où on croise les doigts, effectivement. Là c'est le suspense. Hein. J'ai du câble partout, c'est dégueulasse. Play. On va écouter voir si ça fait un petit bruit. Donc le lecteur est encore vivant, il bouge.
Please wait. Ah, je lui ai pas remis sa pile. Est-ce qu'elle va me faire chier? Non, t'es sympa. La pile, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, la pile. Hop. On va mettre le jeu dedans. Le CD est avalé. Normalement, il va me dire, hey, j'ai un jeu Wii U, tout ça, tout ça. Yes, Super Smash Bros. Wii U. Donc ça, jusque-là, comme d'habitude. On start. Suspense. Non, c'est une serveur barre, on s'en fout. Non, il veut pas être lié. Putain, c'est pas possible. Et là, je vous avoue, sur une console comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu changes le lecteur complet? Raye le disque. Non, bah ça ira. Ça ira. Une clinique, les gentils. Bah ouais, mais t'es mignonne, mais... Il est propre, mon disque. C'est ça, le problème. Il est neuf. Attends. C'est ça, les chats curieux, là. Oh oui, je vais le nettoyer. Y a pas une histoire de région. Bah il est français, il est pâle, hein. Il est pâle, hein. Alors quand on nettoie un CD, je me suis fait engueuler la dernière fois, donc je vous le dis. On ne nettoie pas en rond comme ça, on nettoie de haut en bas. Voilà. Il est pâle de nuit en remontant. Ça, c'est de l'humour, ça. Voilà. Donc on y va, on nettoie. Et je dis ça parce que il y a une justification à ça, hein. C'est pas juste parce que. Ouais, c'est ça. En gros, comme les données, elles sont inscrites en rond et pas en ligne. Donc du coup, si tu fais une rayure en rond, comme ça, bah, tu vas rayer tout un pan, enfin tout un morceau. Alors que comme ça, tu peux. Si tu rayes, bah tu rayes qu'un petit morceau et souvent le CD il fait. Il marche quand même, quoi. Avale-moi ça. Non, c'est pareil. Hein. Je vais chercher un jeu qui fonctionnait. Je vais chercher deux autres jeux. Je reviens. Ça me dérange pas. Bah, je doute aussi que ça vienne du disque. C'est pour ça que. Et si ça vient pas du disque, de quoi ça vient? Il est là le problème. Parce que le lecteur en soi, il lit certains jeux, mais pas d'autres. Lentille propre. Mario Kart 8, normalement, valeur sûre, ça se lance. Into the console, ils ont différents softwares. Oui, ça va, tranquille. Close software. Il est pas content parce que je lui ai pas mis Mario, enfin Smash Bros.
Vous voulez le son? Peut-être. On a le son sur le gamepad, faut en profiter. Mario Kart 8. Parce qu'en plus, il détecte bien le jeu et tout, c'est ça qui est bizarre. C'est une Wii qui a une âme. Pourquoi? Ça veut dire quoi ça? Et salut Fresh One, comment vas-tu? Elle choisit les jeux. Ouais, j'avoue, c'est ça. J'avoue, c'est tellement ça en fait. Donc ça marche. Ça marche nickel. Alors, je sais que Minecraft, il le lance quand il veut. Alors du coup, je me demande si c'est pas parce que c'est un Peggy 12. Et donc du coup, il dit que c'est une erreur, que c'est pas un truc pour les enfants. Surtout que celui-ci, il a des traces de doigts et tout, il s'en bat les couilles, elle le lit sans problème. Ça va finir, je vais être obligé de la hacked. Hein. Mon méga SD et tout à la forme. Oh putain, cool. Données corrompues sur le disque dur de la machine. Je sais pas, tu penses que si je la remets à zéro, ça part? Merde. Mais non, c'est pas ça que je voulais lancer. Quoique, on va voir si je lance un jeu qui fonctionne et un jeu qui fonctionne pas juste après, est-ce que ça le lance quand même? Tu penses qu'il faudrait que je remette la machine à zéro? Je remets la machine à zéro et le premier jeu que je lance, c'est Super Smash Bros. Ah mais les sauvegardes elles sont pas dans le cloud là-dessus. Non, c'est pareil. Si je mets... Il y a un truc que j'ai pas cherché. Si je tape error code 150 1000 31. Qu'est-ce que ça dit? 467 erreurs. Lentille de l'électronique, post, être sale ou endommagé. Que puis-je faire? Nettoyer votre disque de lentille. Alterner entre les modes Wii et Wii U. Synchronisation de télécommande Wii. On s'en fout de ça. Lancer le mode Wii. Non. Éjecter le disque de la console et redémarrer la console. Bon, ça c'est fait. Mise à jour de la console. Ok, faut que je regarde si elle est à jour. Zonage. Visiblement, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Zone géographique. Ok. Mais moi, c'est un jeu classique. Il est écrit en français et tout. Je me dis pas que j'ai acheté un jeu japonais pour savoir. C'est écrit où si mon zonage est pas bon? Ils le disent? Aux États-Unis, par exemple, ne fonctionne pas sur une Wii U européenne et vice-versa. Veuillez vous assurer que votre console est vos œufs. Ok, si la structure. Bah ouais, mais. Bah ouais, c'est ça. Je pâle sur. Après, peut-être que mon CD, il est pas pâle. Parce que visiblement, elle me le dit en anglais, le code erreur. Non, je sais, le Peggy me dit pas que c'est pâle, mais je me dis que peut-être le Peggy, il va... Ah, c'est allemand, en fait. C'est allemand, non? Je crois qu'il est allemand, il est allemand, le CD, regardez. Je sais pas si vous voyez le 12, c'est écrit n'importe un truc. Ah, le Peggy te dit que c'est pâle. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est normal, tu dis. Parce que tout est écrit en anglais dessus. Super Smash Bros. For Wii U. Là, il y a marqué Euro, Heure, Zéro. Donc, je pense que c'est Europe. Ça aurait été étonnant que ça fonctionne pas. Ouais, non, c'est écrit en modèle européen. Non, c'est un européen en plus.
Bah, console, elle est bonne. Mario, je sais que Minecraft, plusieurs fois, elle voulait me lancer, et deux fois, elle voulait pas. C'est quoi la version du système? On va aller regarder ça. Close. Là, par exemple, invalide disque. Alors que Minecraft, j'ai déjà réussi à le lancer. Comment on fait pour les paramètres? System settings. Alors, ça m'étonnerait que le fait que ma console soit en anglais pose problème. 554E. Donc là, il va checker si j'ai des mises à jour disponibles. Your console is up to date. Qui est là? Il te voit, hein, la webcam, elle est là. Il te voit pas là. Attends. Triste d'avance. Ah bon? Ouais. Tu penses qu'elle est triste? Il se met en boule. Oh, mais il est sérieux ce truc là? Tu fais face. Ils veulent pas adopter deux chats d'un coup? Personne ne veut deux chatons d'un coup là? On a un mâle et une femelle et ils aiment les ronrons. Un jeu qui fonctionnait, il a fait la match 5-5-3 et après ça fonctionnait plus. Non merci, bah tant pis. Tant pis pour vous. Il dit quoi? Non, il parle de là. Je ne tente pas avec les matous. Mais si, ça va. En plus, t'es pas loin. Tu peux venir les chercher. Bon, bah tant pis. Pas de chaton. Pas de chaton pour vous. Ouais, c'était deux ou rien. Deux pour le prix d'un. C'est beau. Hop. Donc du coup, 5-5-3-E, ça serait... Et salut, du coup, Virdose. Donc qu'est-ce que je disais? Donc du coup, ouais, donc tu dis 5-5-3, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Donc si ça vient du problème, un problème de version, par contre, c'est, bah, en vrai, si je tape Smash Bros. Wii U. Sans trop y connaître. Bah ouais, mais tu vois rien de... Pas besoin de s'y connaître de foufou, hein. Il suffit d'avoir un petit tournevis, un peu de patience et ça se lance, hein, tout seul. Après, en espérant que j'arrive à le faire fonctionner un jour, ça serait bien. Et je pense que ça va être une console qui va finir modifiée. Je vais la craquer, mettre un disque dur et puis on va voir ce qui se passe. Elle a quoi? Bah, elle lit certains jeux et des fois elle les lit pas, donc je sais pas. Smash Bros Wii U, qu'est-ce que je peux taper? Error. Ah, Error 150, visiblement, c'est connu. Il y a 6 jours. C'est fou, ça. Ah, mais non, mais ça, je l'ai déjà vu. C'est pas un forum, on s'en fout. Ah, From Super Smash Bros. Putain, visiblement, c'est pas le seul. Mais c'est, y a pas si longtemps que ça. Bah la lentille en fait, elle, là genre si je mets Mario Kart 8, ça tourne très bien. Lentille propre, on vient de la nettoyer à l'alcool. Si je mets Minecraft, des fois il va se lancer, des fois il va pas se lancer. Si je fais back, kit. Quelqu'un a un. Elle est toute neuve. Ah, des fois, ça peut être un problème de jeu. Ah ouais, mais attends, c'est en 2013 aussi le problème, là. Merde, j'ai plus de batterie. Dans ma tablette. Oh. Us.
j'ai plus le chat, on n'est pas bien. Bah du coup, ouais voilà, tout à l'heure Minecraft, vous avez vu, il m'a dit erreur machin. Et là, mettons je le lance. ...2016, c'est ma foi plutôt récent. Need help. Qu'est-ce qu'ils disent dans les commentaires? You should have gotten the black one. Ah, mais c'est marrant, il y en a plein qui... Ouais, ça va finir, je vais la craquer en fait. Là par exemple, vous avez vu tout à l'heure Minecraft il se lançait pas. Là Minecraft il se lance. Alors avant de la... Oui, la Wii U c'est fini de toute façon. Si tu peux en jouer, Mario Kart 8, je peux y jouer en ligne. Alors après, moi je suis quand même tenté de la remettre à zéro. Mais c'est vrai que ça aurait été cool de récupérer... la sauvegarde Mario Kart. Parce que c'est le seul jeu qu'on a pointé et on a pas mal de choses dessus. Et je sais pas. Ah, copy move delete data. Ah, c'est bien ça. Comment on fait? Copy move delete. Ok. Système memory free space 18 giga. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Moi je m'en fous, je veux juste Mario Kart 8. Ouais. Comment qu'on fait? Si je veux save data, date, add-on content. Ah bah non, pas delete. Je pense qu'il faut que je branche un truc. Oui, ça va, ça se débloque facilement, mais bon, ça serait dommage. Comme je suppose qu'il va me la formater quoi qu'il arrive, je mets un truc qui craint pas trop. Oui, oui, très bien. Ils sont sérieux? C'est quoi cette console de merde? T'es obligé de brancher la clé USB? Bah, faut redémarrer la console, quoi. C'est super. Et du coup, ça m'avait fait le même problème sur Lego City. Bien sûr que cette clé est encore vivante. T'es un fou, toi. T'as déjà essayé les sauvegardes, ça n'a pas marché dans mon cas. Ah bah, je vais essayer, on verra bien. Et si ça marche pas, tant pis. J'aurais essayé. Et après, on va la remettre à zéro. Ok, copie. Ok. Combien, hein? Bien sûr, de livre. Ok, format USB storage device. Naturel. Ouais, c'est bon. Checking USB. Ok. Is not set up for use with the console admin config. Do you want to? Yes. Format. Ils ont atteint les années 2000 il y a peu. Format complet. Waouh, c'est rapide, hein? Mario Kart. Ok. Et si je veux transférer, on fait comment? Data cannot be recovered, once deleted. Comment je fais pour récupérer mes datas en fait? T'es mignon toi, mais. Non, c'est pas ça. Comment je fais? Mais ils sont sérieux? Tu fais comment? Ah! Select item, copy move. Voilà, c'est ça qu'on fait. Mario Kart 8, on va prendre. Minecraft, parce qu'on a fait quelques trucs.
New Super Mario Bros, je suis pas sûr. On va prendre ça. Super Mario 3D World, j'étais même pas au courant que j'avais ça. Splatoon, on s'en balèque. Move! Oh, j'avais pas vu. Bienvenue, Anthony2803. Hello, grâce à quoi? Peut-on enlever. Bah, souvent, tu coupes, c'est chiant. You want to move all data for. Yes, move. Donc là, il va transférer ça en une semaine et demie, à peu près, je pense. Normalement, ouais, tu coupes, mais bon, c'est un peu dommage. Sinon, je sais pas, moi, tu fais chauffer. Fais chauffer tes vœux, tu les fais bouillir. Non, je blague, hein, fais pas ça, tu vas juste te cramer la gueule, donc c'est pas ouf. Une piste de 5 minutes sur un mini. Un CD entier. Et bah alors? C'est pas mal ça. Je pense elle a vu que t'étais à ta chaîne, elle a vu que t'étais en train de regarder un stream DIY. Il s'est dit, oula. Steffif. Dans 2 secondes, je finis complètement démonté. Faut absolument que je sois présent. Que je sois fonctionnel. Ah oui, glaçon, j'avais déjà entendu, ouais. Le feu, c'est la solution à tout le feu. Non. On évite. En mettant de la colle sur la languette du disque qui doit passer sur la lentille. Pour le moment, ça marche. Ah bah écoute, c'est bon à savoir parce que ça, moi, j'avais jamais testé. J'avais jamais testé et j'étais pas sûr du truc. Donc après, on va quand même la démonter pour nettoyer un peu le. Bon, pendant que ça se copie. Tac. J'aimerais bien que les câbles, ils se mettent pas devant mon écran. Ah, je me dis, j'entends de la musique, mais oui, j'ai des écouteurs normalement. Hop. Le temps que ça arrive, voilà ce qu'on va faire. Hop. Petite 2DS que j'ai acquis hier. Elle est jolie ou pas? En bleu transparent comme ça. C'est un peu comme ma Wonderswan bleu transparent. C'est pas la même couleur, mais ça ressemble. Ah bah tout ce qui est transparent, je vous avoue, moi je suis un peu en kiff. Et on va la nettoyer un petit peu. Voilà, le temps que ça se copie. Il a copié le premier truc. C'est rapide. Bon après, je lui ai pas donné la meilleure clé USB, hein. On va pas se mentir. Quasiment plus qu'avec la télécommande, le bouton en façade. Genre, spam 100 fois, une idée. Tu démontes. Tu nettoies avec ça. Et avec un peu de chance, ça repart. Ou nettoyer en contact directement à la bombe si t'as pas envie de le démonter. Mais souvent, ça fait un peu office de parapluie. Donc, du coup, ça n'ira pas jusqu'au contact. Ça va pas nettoyer. Mais il faut démonter. J'ai ça aussi sur ma cafetière. Faut que je le fasse. Ouais, les écrans, c'est pas. Bon, c'est pas trop grave. Ça fait le charme de la console. Le petit coup de brosse à dents. Pour nettoyer dans tous les recoins. Donc je suis content, je l'ai pas payé cher. Elle est fonctionnelle, en bon état, malgré qu'elle soit un peu sale. Mais toujours, hein, de toute façon, c'est une console portable, hein, je le dis à chaque fois, faut les laver. Deux pistes sans seau. Bah alors, elle est peut-être réparée ta machine là. Le gamin m'a dit, je l'ai pas beaucoup utilisé. Bon. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Elle date de 94, effectivement, elle commence à avoir son petit bagage. Ça, la brosse à dents pour nettoyer, franchement, c'est de la vie. Hein.
Ah, elle est quand même petites aspérités et tout. 5000 francs à l'époque, 5500 francs. C'est pas dégueu, hein. Bonne machine. Au pinceau? Pinceau, ça marche bien. Ouais, moi, j'utilise le pinceau, c'est pour la poussière. Brosse à dents, ce qui est bien, c'est que ça accroche un peu plus. Tu vois, si t'as des trucs qui sont bien accrochés. Eh, l'imprimante 3D, c'est pas pour les chats, là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, l'écran est clean, ça c'est cool. Ouais, le pinceau, moi je trouve pour enlever la poussière, c'est bien. Après, dès que tu veux enlever vraiment les traces de crasse, tu prends un petit petite brosse à dents. Et ça fait le taf, ça. Ah, ça y est, c'est bon. Tout a été transféré. Oral-B, Elec. Pour nettoyer les consoles, en vrai, j'ai hésité. Je me suis dit, en vrai, ça se trouve, une électrique, ça peut être le feu. Mais je sais pas, je me dis, c'est peut-être un peu gadget. On va éviter de faire ça. Ok. Ah oui, donc lui, quand il move, il move vraiment, quoi. Après, tu l'appuies sur la console. Et salut à toi, Mata Vengeur. Très bien, et donc là maintenant on va tout simplement lui dire tu te remets à zéro frère. Delete all content and settings from the console. Qu'est-ce qu'il a? On s'en fout. Next. Delete everything. Over 30 minutes. Ah oui, t'as raison. Hop, on débranche ça. Waouh, elle est chaude. Elle est chaude sa mère. 30 minutes, hein, pour remettre une console à zéro. Je répète, 30 minutes. Bah nickel, hein, 30 minutes, hein, de toute façon c'est... Il était là, hein. Midi 20, on a le temps. Ah, une minute par giga, je vois pas le problème. Ah bon, on n'est pas sur du SSD, hein, ça c'est sûr. Quoique, bah si, en fait, je suis un connard. Oui, t'inquiète, je pense à manger. Si, c'est du flash là-dedans, c'est pas un disque. En vrai. Non, c'est juste qu'ils sont lents, c'est con. Ils ont aucune excuse. Hop, les appareils photo sont nickel, on va pouvoir faire des meilleures photos. Ça va être génial. On nettoie un peu tout, hein. Avec amour, ah bah tu m'étonnes. Intérêt, hein. Avec le temps que ça prend. Hein. Console will now shut down. Ok. C'est bon, elle est éteinte. Parce que si elle est éteinte, je la décale le temps qu'elle se mette à jour. C'est oula. Vous êtes méga CD maintenant. Look at that, cette console est magnifique. Oui, d'accord. C'est quoi le bruit derrière? Ah, c'est un sketch. Je m'en vais fermer la porte.
Ok, donc ça c'est propre, on est content. La console est éteinte, je vais juste la décaler. Le temps qu'elle se remette à zéro. Je me fais de la place. Voilà, sur le côté. Tac. Voilà. Et je la turn on. Ah mais normalement ça a perdu la synchronisation avec ça aussi. Bah ouais, ça a perdu la sync. Il va me dire resynchronise-la s'il te plaît. J'espère juste qu'il va pas me dire hey, remène-moi le capteur. Nintendo te regarde. Comment ça Nintendo me regarde? Ok, donc ça on l'allume. Ok. Là, faut qu'on appuie sur 5. Là, faut que j'appuie sur 5. Ah, il me faut un petit tournevis. C'est quoi? Ah, d'accord. Sympa, le petit code. C'est bon? Vous êtes content? Ouais, ils communiquent. Ils sont contents. Ok. Allez, on va mettre français, comme ça, avec un peu de chance. J'ai la 1000, donc la toute première, la FAT, et la Street. Paramétrage de la langue, fais donc. Bah, moi j'ai hésité, mais en fait, au tout début, ma meuf, elle jouait beaucoup à Mario Kart en ligne. Elle aimait bien y jouer en ligne, du coup, je me suis dit, je vais pas la hack, comme ça, au moins, elle pourra continuer à jouer en ligne. Mais en vrai, là, avec ce qu'elle est en train de me faire, t'achètes des jeux qui marchent pas à cause du logiciel, visiblement. Je t'avoue que ça va partir, Rock. Ah, et Vita aussi, ouais. Vita, j'ai pas le deuxième modèle, j'aimerais bien m'en trouver une un jour. Bah la, ma Vita, j'en ai deux qui fonctionnent. Une 4G et une Wi-Fi. Et ma Wi-Fi, elle est craquée. Mais j'ai pas installé l'émulateur PSP, il faudrait que je l'installe. Je reviens, je vais me boucher vite fait. Ça a l'air un petit peu.
J'ouvre un petit peu la fenêtre parce que bon, on va profiter du soleil. Ça, c'est propre. Maintenant, le temps qu'elle se remette à zéro parce qu'à mon avis, il y en a pour une petite année. On va poser ça sur le côté, puis on va surveiller ça de près. J'ai ça. Cette console qui ne s'allume pas. Et je me demande si le problème, c'est pas juste... l'alimentation. Comme il y a de la corrosion à chaque fois sur ces trucs de merde, je vais faire des tests de continuité pour être sûr que le courant passe. Même si c'est très propre. Et si ça passe, je vais tester mon bouton power. Ah ! Qu'est-ce qu'il me dit, le monsieur ? Je ne comprends pas. Non, ça c'est une noir et blanc. C'est pas la color. La color que j'ai fonctionne pas. Et j'en ai une qui arrive bientôt là. Qui... Ah, c'est un jeu dessus le meilleur, d'accord. Comme d'hab, j'ai pas le bon tournevis. Ah si, peut-être. Moi j'ai 4 jeux dessus, du coup. J'ai Final Fantasy 2. J'ai 2 autres jeux, des jeux de Gundam. Mais je connais pas le jeu que tu dis. Bah là y a pas de rouille, c'est ça qui est bizarre. Elle est clean de ouf. Donc je vais tout nettoyer. Ah, langage, il est bon. Pays. Vas-y, non. Maintenant, allumer et éteindre la console vidéo en appuyant sur le bouton power. Ok. 2019, on est le combien ? Le 30. C'est bien, c'est facile à configurer du coup. Il est quelle heure ? 12h30. Je vais pas la connecter à internet tout de suite. C'est vraiment une console avec une console très très une conception très simple. Alors, paramétrage automatique, très bien. Internet écran, pas maintenant, s'en fout. Je veux juste un capteur, pas maintenant. Ok. Ok. Ok, non. On peut pas ? Ah, on peut pas faire sans connexion ? Quitter le paramétrage de la connexion internet. Ok. Ah, si, on peut. Ça va, il pense aussi à... Putain, j'ai cru que la console, elle parlait. Putain, mais ils me font chier, nouvel utilisateur, hein. Dépêche-toi. On est obligé. C'est bon, des différents. Non. Voilà. Suite. C'est long. Hein. Donc, au niveau des connecteurs cartouches, c'est bon. Oui, on s'en fout des Mi. Parmi les Mi proposés, Homme. Voilà, on va prendre lui. Il est horrible.
Vas-y, on s'en fout. Ah putain. Ta gueule. Pire, je la remettrai à zéro plus tard. Oui. Ça aussi, on est obligé, je suppose. Voilà. Donc, on va mettre une pile. C'est un truc de fou. Il y a 1000 menus pour paramétrer cette chose-là. Faut que je m'occupe de laver la NES aussi, je l'ai pas lavé encore. Ok. 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 Putain, mais... Ça met 1000 ans à se paramétrer, hein. Tac. Voilà notre pile. En fait, les 30 minutes, c'est juste le paramétrage. Oui, ok, on s'en fout. Ah, ils te disent tout, hein, vraiment. Ça y est. Waouh. J'ai enfin la machine qui s'allume. Ok, sors-moi le disque. Très bien. Et là, je mets Super Smash Bros. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Préparation. Suspense. Ok. Dites-moi en plus. C'est pareil. Et bah, je suis bon pour la hackhead, hein. Tout simplement. Allez, ça s'éteint, ça. Voilà. Ouais, j'ai regardé le code erreur et ils te disent nettoie le disque, tout ça. C'est bon. Hop, on pose ça sur le côté. Je vais refermer la fenêtre parce qu'il fait froid maintenant. Donc, on va s'occuper de ça, et puis après, on va remonter la... On va nettoyer la Wii U. On va la démonter, changer la pâte thermique, et puis on va voir si ça repart. Ouais, voilà, c'est ce que je vais faire. Hein. Pas de prise de tête. Si je me mets en mode voltmètre, donc d'un côté, on a le ground... Le courant passe très très bien. Maintenant, j'aimerais bien faire un test de continuité au niveau du bouton pour allumer la console. Ah, plus pile. Ah, plus trop de pile. Hein. Mais ça fait le taf. Alors, je sais pas comment est censée fonctionner cette chose.
Parce qu'en plus, j'ai des condos, mais les condos, ils ont l'air méga propres. En fait, c'est chiant quand t'as une console méga propre qui s'allume pas, c'est que pour savoir où est le problème, c'est chiant. Je sais pas si on a des fusibles qui traînent quelque part. Celui-là, visiblement, on a une grosse piste. Alors, on a celle-ci, c'est sûr, elle est prise. Et celle-ci, peut-être. Bah, alors, on va te faire le CD complet, cherche pas. Putain, mais le pire, c'est que l'interrupteur a l'air de très bien marcher. C'est vraiment bizarre. Ça m'a inspiré un nettoyage de châssis. Bah, nickel. Si ça remarche, c'est bon. Bon, ça a l'air de fonctionner, cette chose-là, là. Je vais quand même, à l'aide de ma brosse à chiquette, juste ici, nettoyer l'interrupteur. Ça lui fera pas de mal. Hop. Et ça le Yakoshi. Un peu d'alcool. Alors aujourd'hui, on est sur essayer de réparer une Wii U, mais visiblement, c'est un problème logiciel, c'est un défaut de machine, qui viendrait du modèle noir d'ailleurs. Donc du coup, problématique, mais c'est pas grave. Et encore merci pour les 3 bits anonymes. Je sais pas qui les donne depuis tout à l'heure, mais merci à la personne. On a eu 7 bits anonymes. Et Z-Sensei qui se pointe. Mais comment il va? Ça fait longtemps. Et encore. Non, pas encore des Wonderswan, mais si. Oui, il faut un jeu inséré, je sais. T'inquiète, j'en ai 3, je vais les sortir, on va refaire des tests. Eh bah, décidément, bah, merci beaucoup hein, pour les bits. Bah, décidément. Ah, tu comptais venir à la RGC du coup, mince. Ah, c'est pas la forme en ce moment. Eh ben dis donc, tant de générosité. Je vais être obligé de couper le son. À force d'être spammé comme ça. Et merci à toi. Donc on nettoie un petit peu au niveau du port cartouche. Ah merde! Bah là. Comme ça, ce sera tout propre, ça.
Ensuite, on va prendre les jeux. Regardez ça. On va même pouvoir faire un unboxing. Allez, on se lance dans un petit unboxing. À moi. Et démonter aussi. SureTech, ouais, je le suis sur Twitter. Il a l'air de s'y connaître un petit peu, le monsieur. Hop. Ah bah c'est cool. Ah oui, d'accord. Juste un petit peu. Donc on a notre jeu, on va lui mettre... Hop, tiens, il me reste encore de l'alcool là-dessus. Eh ben dis donc, c'est bien chaud. Il y a beaucoup de jeux d'ailleurs sur cette console. Regardez ça. Petite cartouche. La boîte, elle est nickel. Ça, c'est celle que j'ai en meilleur état. Il n'y a pas une rayure, il n'y a rien. C'est du neuf. Hein. On a... ça, je crois que c'est le truc de garantie ou un truc comme ça. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. On a une petite pub. On a une deuxième petite pub. Sur la WonderSwan. On a encore une pub. Donc stylée. Sur une espèce de Pokémon, on dirait. Ah non, c'est Digimon, ça, non ? Ouais, c'est Digimon, ça. Et là, on a le manuel d'utilisation, tout en japonais. Yes. Donc, c'est cool. Et tout ça pour 10 euros. C'est cool. J'avoue, j'étais assez refait. Ça, sont rendus publics. J'attends Noël pour sortir le reste, mais chut. Le petit cadeau de Noël. Tac. On met la pilasse. Ça s'allume pas. Il y a pas mal de choses dans la hotte de cette, dans ta hotte. Nice. Je sais pas pourquoi elle s'allume pas. Hein. Vraiment, y a rien sur cette console. C'est vraiment une micro-console. Et elle veut pas s'allumer pour une raison que j'ignore. Elle est genre en état neuf. Genre, enfin, à l'intérieur, c'est nickel. Mais elle veut pas s'allumer. Le bouton power a l'air d'être bon. Mais le reste, je sais pas. Je vais nettoyer le truc de contraste. Je sais pas si ma nappe d'écran elle est décédée ou un truc comme ça, mais... Bah ouais, elle me demande rien du tout, c'est ça qui est chiant. Puis pour réparer des consoles comme ça qui sont vides, bah c'est compliqué, hein. Bah comme dame, on va lui mettre un petit coup de brosse à chiquette. Le déménage, le nombre de cartouches, la liste des 5 derniers jeux joués, leur date de jeu. Ah ouais, elle cherche pas mal de choses. Excellent. Hop. Un petit coup d'alcool, ça va pas lui faire de mal, hein. Allez, tiens, ma petite.
C'est une console qui est pas sortie en PAL, ça. T'es jamais tombé en dessous de 3 démarrages sur la machine? Ah ouais, d'accord. Celle-ci, ça se trouve, y a rien dans l'EEPROM. Ça se trouve, elle est vide. C'est un modèle neuf. Enfin, même pas neuf. Un modèle d'usine. Ah, juste au Japon. C'est triste. Pourtant, ils en ont sorti 3 quand même. 3 modèles différents et seulement au Japon. Les radins. On nettoie tout. Après, je me dis peut-être les condos qui veulent pas fonctionner. Un truc comme ça, hein. Je sais pas. Je dois avoir la cristal. Oh la chance! Non, la cristal, elle est stylée. Elle lit les jeux color, elle est rétro-éclairée. Moi aussi, je préfère la cristal, mais elle coûte un peu plus cher. Après, en design, non, je préfère celle-ci. Mais la cristal, le fait qu'elle soit rétroéclairée, ça fait plaisir. Je vais faire un. Ah ouais? C'est marrant ça. Ils ont mis un CPU différent. C'est pour gérer le rétroéclairage, la couleur. Enfin, quoi que non, le CPU, il cherche pas vraiment. Ah si, t'as un truc qui. Pour le rétroéclairage, t'as un truc en plus. C'est fort. Faut être doué, hein. Pour se lancer dans ce genre de d'aventure. Bon, c'est clean, hein. J'essaie de nettoyer un peu la molette de contraste parce que je me dis que si j'ai pas de contraste, forcément je vais rien avoir à l'écran. Mais normalement, elle fait un petit son. Elle fait. Enfin, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle fait un petit son normalement. Pour te dire, avec le logo Bandai, tout ça, tout ça. Ok. Non, j'aurais pas réglé. T'es un ouf. Ça m'étonne. Ah, elle te dit, elle t'écrit Welcome Cabri DIY quand tu l'as fait fonctionner. Excellent. Enfin, elle te dit Welcome et le nom que tu lui mets dedans, quoi. Mais oui. C'est excellent. Excellent. Elle n'a pas envie de s'allumer. Pas gentil. Pas gentil la console. Et elle, vraiment, j'ignore de. Enfin, pourquoi elle veut pas s'allumer, hein. Je pense que c'est peut-être plus problématique que ça. Et merci quelqu'un pour les 5 bits.
Merci à toi. Ça fait plaisir. Un max d'oseille. Alors normalement j'ai mis les emotes et tout. Enfin j'ai mis une vraie animation, mais visiblement ça veut pas s'afficher. Ouais, bah il n'y a pas de jus qui passe en fait. Infogrames me fournit la thune. Merci Infogrames. Les boss. Et pourtant le jus va jusqu'à l'interrupteur, hein. Et ça va pas plus loin. Tac, tac. Bah l'interrupteur, non, en vrai, il a l'air de faire son taf, c'est ça qui est bizarre. C'est censé laisser passer le courant, ces trucs-là, là. Sais pas si c'est des fusibles, faut que je regarde sur internet à quoi ça ressemble un fusible CMS, je m'en rappelle plus. Oui, j'y pensais aussi, les condos. Mais je suis pas sûr que ce soit des trucs qui lâchent là-dessus. Puis ils ont l'air vraiment clean, hein, une fois de plus. Si je tape Wonderswan Capacitor, est-ce que je tombe sur quelque chose? Sur la color, visiblement. Ah! Non, Turbo Express. C'est quoi ça? Attendez, d'ailleurs, c'était quoi ça? Ah, condensateur de remplacement, j'ai cru que c'était la console. Ouais, je me dis la nappe aussi, du coup t'as rien à l'écran, mais normalement t'es censé avoir un son. Donc je sais pas. Je sais pas quoi en faire. Parce que c'est chiant, du coup je sais vraiment pas quoi faire de cette console. Ça va finir en déco. Bah en vrai, envoie sur le Discord, hein. Ça peut être intéressant. Bon, je vais la remonter, hein, tant pis. Là, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Hein. Pi zéro. Ah ouais, non. Non, parce qu'en vrai, elle est en bon état, tout est bon. Je sais pas, en vrai, faudrait que je voie quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans cette console et qui me dise quel est le problème. Je vais appeler Bandai, leur dire pourquoi elle marche pas ma console. C'est encore garanti ou pas? Ah. Sale bête. Je vais peut-être lui envoyer un message sur Twitter si tu me dis qu'il a fait du reverse engineering dessus.
C'est vrai qu'en plus, c'est pas loin, il y a les RGC. J'ai pas mes places. J'ai pas mes places pour rentrer. Tant pis. Je me suis pris trop tard. Shame on me. C'est pas grave. Bah t'as bien raison, il faut. Hein. Ça serait dommage de perdre une place. Je vais peut-être essayer avec un autre jeu. Hop. Le 13, c'est quoi déjà? Là, c'était MSVS. De toute façon, pour parler avec Prez, il te faut au moins une journée. Hein. Bavard, le Prez. C'est pour ça qu'il est très très fort. Hein. On va essayer ce jeu-là. Comment tu fais pour ouvrir la boîte sans la déformer? Tu peux pas, en fait. Et là, dans celle-ci, c'est complet de chez complet. Hop! On a le jeu. On a la pub. Enfin, on a une pub. Une deuxième pub. Le truc de garantie. Un paquet de cartes jamais ouvert. Scotch d'origine. De 5 cartes. Avec les personnages du jeu, visiblement. Et la notice. Là, on est sur du full complet. Tu vas essayer du JV. Faire signer mon Little Big Adventure. Il dit autre chose. Ah bah super, cool. Bah carrément, il faut en profiter. Hein. Allume-toi. Ça veut pas s'allumer. Le pire, c'est que ce que j'ai commandé, là, ça venait directement de Clermont-Ferrand. Donc du coup, j'ai pas attendu 6 mois pour le recevoir du Japon. Donc c'est cool. Et c'est dommage, parce que en vrai, normalement, j'en ai une qui arrive, là, une color, que j'ai acheté 20€, qui vient, elle, du Japon. T'es un peu fatigué, donc on va lui faire une petite jeunesse. Et c'est l'édition Final Fantasy. Ça va, c'est qu'il n'y a aucun signe de vie alors que la console est nickel, quoi. Ouais, l'écran, ouais, je me dis aussi que l'écran est peut-être mort. En plus, j'ai vu qu'il y en avait. Il y avait certaines consoles, si t'avais le filtre polarisant à l'avant qui est non fonctionnel, enfin qui était HS. Et du coup, t'avais rien qui fonctionnait, quoi. Enfin, tu voyais rien à l'écran du tout. Le son à l'intérieur, il est, c'est un piezo. Là, tu vois, c'est le truc qui est ici. Merde, je suis con. Hop. Les chiffres, les boîtes de WonderSwan sont toutes petites, toutes carton comme ça. C'est tout mignon. C'est hyper compressé à l'intérieur. Et t'as tout ce qu'il faut.
Hop. Tac. Puis on va tester le dernier. Dans le doute où les deux premiers ne fonctionnent pas, mais bon, ça m'étonnerait. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Celui-ci est moins complet que les autres. Celui-ci, j'ai le truc de garantie. Et la notice. J'ai pas de pub avec. Non, ouais, je pense qu'il est complet. Tac. Est-ce que c'est encore humide? Yes. Alors du coup, c'est cool hein, qu'ils aient fait la piste apparente. C'est vraiment cool. Parce que du coup, tu peux la nettoyer comme tu veux. Voir un unboxing comme ça, mais il est très bien mon unboxing. Fait avec amour. J'ai bossé avec Fanny. Sur le son et la musique. Ah oui. Je la vois sur Twitter. Ah mais non, c'est pas neuf hein. Attention hein. C'est pas du neuf hein. C'est de l'occasion, c'était déjà ouvert. Hein. Calmos. Le neuf, je l'aurais pas ouvert. Mais ouais, la Fanny, elle a l'air de très bien travailler. Bon. Hop, on va débrancher la machine. J'ai enlevé les jeux qu'il y avait dedans ou pas? J'ai pas enlevé le jeu, là, on va la rallumer. On va la nettoyer, changer la pâte thermique. Puis on va essayer de repartir là-dessus. Il n'y a plus rien, ces documents de l'époque. Ça, c'est nice. Mais ouais, c'est bien conservé. Et d'ailleurs, ça m'a étonné que pour un vendeur français, qu'il les ait mis tous sous plastique et tout. Ça fait plaisir. Hop, on va sortir le jeu. Et on va se lancer dans l'entretien de la machine, c'est-à-dire petit dépoussiérage, changement de pâte thermique. Comme ça, elle repart sur des bases saines. On va la craquer. Bah, je le ferai pas en live, ça va me faire engueuler. Et puis ça s'éteint, ça. Voilà. Donc comme quoi, tu vois, c'est un bug, c'est vraiment un bug à la con. Hein. Je vais pouvoir remettre les deux petites vis qui étaient sur le dessus. Quoique non, je les remettrai tout à la fin en remontant tout. Comme ça, le remontage, c'est tout d'un coup. Non. Pardon. Je sais pas ce que je veux. Hop, on remet les deux petites vis. Parce que ces deux petites vis-là... On peut les remettre direct. C'est deux petites vis grises. Il est quoi, 13h08? Ok.
Bah merde alors. Voilà. On enlève la façade. On défait le lecteur CD. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on fait de cette machine? Comment c'est fichu? Hein? Pourquoi bien? L'embarque est là. Ah ouais. Oh. Oui, je viendrai la voir. Faire un bisou. Ils m'ont rien dit, donc je pense pas. S'il te plaît. Je vais la remonter. Ok, donc on va nettoyer ça rapidos. Ok, donc on a une prise pour le ventilateur. Hop. On a des vis. On avait des vis à foison, il y en a partout. Ça va être un peu l'enfer. Donc là, on a une antenne. On enlève parce que sinon on n'a pas accès à la petite vis qui est en dessous. Voilà. Ok. Ce truc là en plastique, il était tenu là. Il est tenu par où? D'autres. De l'autre côté, ici. En tout cas, des antennes, il y en a. Hein. Elle capte hein, la machine. Je suppose qu'il n'y a pas que de la Wi-Fi, hein, il y a tout ce qui est. Tout ce qui est manette, etc. Hop. Ah merde alors. Hop. On enlève toutes les antennes. Putain, il y en a plein. Hop là, donc niveau antenne c'est bon, ça devrait pas tarder à venir, mais c'est fixé par quelque chose, quelque part, je ne sais pas quoi, là j'ai deux vis noires, ça veut dire que ça tient les plastiques. Hop, le petit ventilo. On est vraiment sur un petit ventilo. Hein. C'est pour ça qu'à mon avis, le refroidissement est pas mal optimisé. Hein. Bon, après, c'est un truc à gros débit. Oh, il est stylé. Il a une petite forme swaggy. C'est pas dégueu. Donc là, forcément, comme j'ai dépoussiéré tout à l'heure, c'est propre. Ok, ça se coulisse vers le bas et on peut l'enlever. Ensuite, ça, ok, et là on atterrit ici. Ah, mais ça se trouve, on n'aura même pas tout à démonter. Ça m'arrange. Putain, mais ça se trouve, elle est très bien faite cette console en fait. Avec un peu de chance, c'est très bien conçu. Donc là, on enlève nos 4 vis qui tiennent le radiateur.
Voilà. D'accord, et la pâte thermique, en fait, c'est un pad thermique, visiblement. Qui est sec. Très très sec. Ouais, il n'est pas tout jeune. On va enlever ça. Ça s'enlève pas comme ça. Pour éviter de rayer le dessus du processeur. Une petite carte. Et on voit le processeur AMD IBM. Ouais, très bien. Un peu d'alcool pour nettoyer le dessus. Ouais, on a connu mieux hein, comme radiateur. Mais c'est pas grave. Pas de thermique, et on sera pas mal. Allez. Alors, par contre, on a une sacrée surface là. Et j'avoue que niveau pâte thermique, je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Et c'est fou d'avoir mis un pad thermique là-dessus. C'est assez fou. Je sais pas si c'est une raison budgétaire ou si c'est parce que ça chauffe tellement pas qu'un pad thermique ça suffit large. Je sais pas. Dans tous les cas, on va quand même mettre un bon truc. On va mettre un truc pas trop mal. Voilà. C'est limite un peu trop, mais c'est pas grave. C'est pas mal. Il y a un sens, c'est celui-ci. On va mettre nos 4 vis tout de suite. Voilà. J'ai des veuches là. Qu'est-ce qu'ils font là? Je pense en avoir mis beaucoup quand même. Je pense que j'en ai trop mis d'ailleurs. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une expérience. On va bien serrer. Voilà. Voilà. Et après, on va enlever et on va voir ce que ça a donné. Voilà.
Ah ouais, d'accord, en plus, ouais, ça plaque pas grand-chose, hein. Ouais, si, quand même, un petit peu. Ok. Attends un petit peu, ça se plaque. Et on va enlever. On va enlever parce que j'ai envie de voir si j'en ai trop mis ou pas. Et au pire, je renettoie un petit coup. Sors de là! Bon, tant pis. Bah, putain, la vache! Ah, j'en ai pas mis tant que ça, hein! Ça s'est étalé pas trop mal, hein! De manière, à ma foi, plutôt homogène. Il manque un petit peu sur les côtés, mais ça va. Et encore un chien. Merci à toi. Voilà, donc ça c'était pour l'expérience, hein, bien sûr. Là, j'enlève le gros. Et on va mettre un peu d'alcool pour vraiment bien nettoyer. Alcool que j'ai laissé ouvert. Ça, c'est pas bien. Parce que ça s'évapore et ça va me rendre fou. Un petit coup de nettoyage à l'alcool. Qui marche bien d'ailleurs. Ça enlève bien la... les traces. Mais c'est vrai que c'est moins plaqué que sur un PC. Mais bon. Ok, et ben on recommence. On remet nos 4 vis dans leur support. On remet la pâte thermique qui est collée. Hop. Un beau pâté. En vrai, c'était un pâte thermique qu'il y avait de base, donc en soi, c'était déjà bien épais. Sachant que la pâte thermique, comme celle que je mets là, ça chauffe et ça s'étale encore plus. Donc ça va. Et salut Medown, comment il va?
Et une PS4, bah dis donc. Qu'est-ce que t'appelles réparer? T'as fait quoi dessus? Oui, il y avait un disque bloqué, ok. Ça va, simple. Enfin, simple. Ça a été, non? Du coup. Et la PS4, c'est le mieux plus. Ah, et alors, c'était quoi la PS4? Les deux remarchent. Putain, ouf. J'appelle ça un génie. Bien wesh. Bien wesh à toi. C'est beau. Connecteur d'Alim qui déconne, c'est tout. Putain, c'est une maladie. Enfin, c'est réputé sur ces consoles-là. Parce qu'en vrai, là, j'en ai vu plein sur le bon coin. Des PS3, des PS4 ne s'allument plus du jour au lendemain. On sait pas pourquoi. Du coup, je me demande si c'est pas ça. Parce qu'en vrai, si c'est que ça, je vais acheter. Hein. Dans le bon sens, on le met bien sûr. Quel, en éclipsé, on est bien. Voilà, ça, c'est le qui s'éjecte au bout d'un moment. Le BR, tu parles du Blu-ray, c'est ça? On a El Ventilo qui va dans le bon sens. Important. Hop. Qu'on rebranche après. En plastique autour du power et du eject quand la console. Ah ouais! Énorme! Ça c'est bon à savoir hein, les trucs comme ça. Parce que là il y en a une à 30 balles sans disque dur. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là il y en a une à 30 balles. Sur le bon coin, je t'avoue que quand tu me dis ça, je suis un peu tenté. Alors ça allait par là? Ouais. Ok, on est bien. J'ai des disques si tu veux. Me dis pas des trucs comme ça, je vais encore devoir faire des dépenses. Non, ouais, c'est bon à savoir. C'est une petite PS4. Voilà. Pourquoi pas? Ah, il a sorti sa vidéo Sonic? Mais non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Dites-moi pas que c'est dans un superbe appartement. Mais où est-ce donc? Mais oui ça, cet appartement magnifique. Du coup, est-ce qu'on croise mon chat? Est-ce que mon chat, au bout d'un moment, le voit?
Parce qu'au bout d'un moment, elle essayait de monter et tout. Ok, donc ça c'est remis. Bah on est bon. En vrai, j'ai remis toutes les vis à l'intérieur. On va remettre... Ouais, moi aussi je regarderai juste après. Je regarderai ça en mangeant d'ailleurs. Je vais l'envoyer à toute ma famille. Je vais dire, regardez, c'est l'appartement. Bon, jusqu'à présent, j'ai réussi à caler mes voitures dans un film. Mon appartement... Mon appartement dans une vidéo. Manque plus que ma gueule. Et salut le Titan 71. Mais non. T'inquiète, ils le connaissent. Ils le connaissent. Ok. Ok. C'est qui Edouard? Edouard, c'est The YouTuber, voyons. Tu connais les bails. Ok, on branche ça. Ah, venez, on sait. Quatorze mois de préparatif. Est-ce que ça parle du Louvre? Je dis ça comme ça. Il me semble que tu en avais parlé. Si c'est ça, bien sûr. Nous avons le système du Louvre. Ah putain, la vache! Bien, wesh! Trop stylé. Putain, mais ce genre de pirate de l'ombre. Espion. Sœur dit violence. Bien, wesh. Bien, wesh. C'est beau, ça. C'est vraiment beau. Ça n'a pas dû être simple. Merde, j'ai mal branché la façade. Elle a quoi, là, vous? Un U. Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut plus lire certains jeux. Du coup, on a fait un petit nettoyage. Là, j'ai fait un petit changement de pâte thermique. Parce que comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et là, du coup, j'ai fait petit changement de pâte thermique. Et puis voilà, puis là, on la remonte. Non, non, certains jeux Wii U. Et salut, Cool Twine, comment tu vas? Tu passes vite fait. Pas de soucis. Et non, c'est certains jeux Wii U, en fait. Genre, je mets Mario Kart, ça marche nickel. Par contre, si je mets Smash Bros, ça marche pas. Et Cool Twine qui lâche son petit beat. Qui passe et qui lâche un beat. Non, il faut analyser et savoir comment... Eh ben, dis donc, c'est beau. Ça y est, elle se sauve. Salut. C'est lui. C'est lui. Ah non, c'est lui. Mais je vois pas. S'il n'y a pas le dos, je vois pas. La tête là. Ah. Je suis déjà en 5-5-3. T'as bien deviné ? Peut-être, ouais. Pourquoi ? Je suis déjà en 5-5-3. C'est ça le problème. C'est que je vois pas. Je l'ai remise à 0. Ok. C'est en cours d'allumance. Donc là, le seul moyen que j'ai, c'est de forcer la hacker, tout simplement. Oui, on s'en fout. Plus tard. Donc j'aimerais bien mettre un jeu. Ah ouais, mais il va y avoir 1000 ans d'installation. Et j'aimerais bien la faire chauffer un peu. Euh...
Ah, je vais quand même mettre un jeu, je vais la décaler. Parce que bon, c'est chiant, tu vois, j'ai Smash Bros, qui est un très bon jeu, et je peux pas y jouer, quoi. Juste parce que la console, elle a décidé qu'elle voulait pas. Ah bah non, y a pas de mise à jour, y a pas internet. Normalement, c'est bon. Je vais juste voir si ça chauffe. Pour l'instant, ça va. Bah non, celui-là. Ah, il faut obligatoirement un utilisateur. Serenité 2, si jamais tu as besoin un jour. C'est bon, ça va. Allez, Mario Kart 8, lance-le là. Voilà. Tu penses que si je la rétrograde, ça peut le faire? Et dans tous les cas, si je la rétrograde et que je veux jouer en ligne, il va me dire, hé, ça va pas cette histoire. Donc c'est chiant. Ouais, bah je ferme la porte. Bah pas tout de suite, après. Tu fais tout et je lui dirai au revoir. Tu viendras me chercher. Hein? Bon, pour l'instant, ça souffle de l'air frais. Donc, on va lancer une petite game. Donc ouais, je pense que ça va finir en crack et puis c'est tout. Tant pis, ça sera que quand les copains viendront. Ça veut dire qu'il va falloir que je branche un disque dur dessus. Pourquoi c'est Flux? Waouh! Voilà. Ah non, je veux voir. Voilà. Elle chauffe un peu pour voir. Sachant qu'elle est enfermée dans un placard en plus. Sur mon écran, c'est hyper sombre. Dans tous les cas, ça tourne bien. Donc, vous voyez, enfin, la lentille, elle a aucun problème là. Ça marche du feu de Dieu. Donc, c'est ça qui est bizarre. Ah non, ça c'est mon boîtier de capture qui fait des siennes. Heureusement j'ai le pad. Ça tourne pas mal. Niveau chaleur, c'est frais, vraiment. C'est une console qui a pas besoin d'être refroidie, ça c'est pas possible. Parce qu'il me semblait qu'avant ça chauffait un petit peu. En plus. Et merde. Ah, j'ai pas eu le réflexe, effectivement. Donc je finis cette course. Et puis, bah, si c'est froid, on la remonte complètement et puis on sera pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà craqué de la Wii U?
Parce que du coup, je sais pas du tout si ça se fait aussi bien qu'une Wii ou pas. Elle est ouf cette console quand même. Elle est vachement bien. C'est dommage qu'elle ait été boudée. Ok. C'est toujours frais au niveau de la ventilation. Et c'est ce qui compte. Bon bah ça c'est pas trop mal. C'est vraiment pas mal. On va pouvoir la remonter. Merde non, on s'en fout. J'ai oublié d'éjecter le disque. Ah! T'es pas fan? Pourquoi? C'est quoi? C'est le gamepad? C'est la manette? C'est quoi? Allez, on sort le CD. Alors c'est marrant, c'est qu'il laisse une petite lumière blanche quand le CD est encore dedans. C'est bien fait. Le concept, ouais, d'avoir une deuxième manette. Une deuxième grosse manette. Le concept, les jeux. Ah ouais. Bon, tu me le sors mon CD ou tu veux un tuto? Les techno obsolètes. Ouais, mais après ça reste Nintendo. Hein. Déjà, je savais même pas que c'était du AMD là-dedans. Bon, on est content, on sait que tu sais le lien. Non, tu me le sors. Il a pas envie. Je peux pas lui dire force l'éjection. Ah ouais, mieux que la plus que la Switch? Je vais l'éteindre. Oula, elle fait un drôle de bruit, mon lecteur. Bah, Splatoon, ouais. C'est original, je trouve, comme concept. Je trouve ça pas si mal que ça. Ben, j'ai plus le droit de sortir Mario Kart. Ah bah oui, il faut. Bon, tu me laisses. Non, mais c'est une blague. Je vais être obligé de redémonter le lecteur. Pourquoi il veut plus me sortir les jeux, ce con? Surtout avec ma Switch. Ah, bravo. À quoi que ça avait pas l'air bien branché, ça. Salut The Rolf,
Comment il va? Ah ok d'accord. J'avais pas compris comment ça marchait cette merde. Très bien. Je vais l'expliquer parce que comme je vais le faire en vidéo, quand il est vers le bas, c'est qu'il est enclenché. On le relève, on peut l'enlever. Et hop, pour le remettre dedans, on le pousse jusqu'au fond et on le met en bas. C'est inversé en fait. Ouais? Tu viens? Ouais, j'arrive. Je reviens dans 5 minutes. À tout de suite.
Eh oui. Et un chaton de partie. Ah là, il comprend mieux en fait, j'avais mal pincé là. La nappe. Hop, on va pouvoir l'éteindre. Nickel. Hein? Tes parents, ils t'ont répondu? Non, non, ils m'ont pas répondu. Je sais pas s'ils sont encore à leur truc. Ah, si, il m'a envoyé un pouce. C'est... Ah, mais il y a le message avant, non? Ah, il nous tient au courant parce que la R5 à Rennes, elle veut pas démarrer, je sais pas quoi, donc il va aller regarder. Et du coup, ça va, The Rolf? On a besoin d'un lecteur. Ah ouais? Sans lecteur, elle veut pas. Oh, ça se chante, ça. Non, mais au pire, le lecteur, moi, ça me dérange pas de le laisser. Je sais pas si les cracks, ça permet de... Si en la craquant, tu peux quand même lire les jeux CD. Ok, on va remettre toutes les vis. Alors. Tac. Donc, qu'est-ce que t'as ? Oh, mais c'est rien. Mais oui, il y en aura. C'est des gamins, ils vont jouer avec leur jouet. Alors, on va remettre les vis de façade. Tac, ça, ça s'enlève. Parce qu'on a deux vis sur les côtés. On remonte tout. Et elle sera toute neuve. Et puis je regarderai après plus tard pour la craquer. Je pense que ça doit bien se craquer depuis le temps que c'est sorti cette machine. Dans Java pour les cours, putain, mais arrêtez de faire du Java. Horrible ce langage. Toutes les vis, on est pas mal, hein, on est pas mal. Ça, il y en a pas énormément des vis. Juste se souvenir de où elles étaient et desquelles étaient à cette place. On remet la façade. Ah bah il faut. Allume-la. Très bonne console, tu le sais. Trop tard, elle est allumée. Et ben voilà, tant pis. Elle est à quai de la tienne ou elle est full stock? Là, ce qui est bien, c'est que le petit changement de pâte thermique, là, elle est repartie pour 20 ans. C'est su. Ça lui fait un grand bien. Je pensais résoudre le problème, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Alors attends, il me reste combien de vis là? J'en ai plein là. Donc j'ai des petites qui vont en dessous. Hop, ça, on prend le chiffon. Ah bah même la grille de derrière, elle s'enlève. En vrai, c'est une console qui est bien conçue en plus.
Et ça va bien à se faire ou pas? Bedon, il en a rien à foutre. C'est mort. Il s'en balèque. Il n'aime pas cette console. C'est dommage. Faut la garder. Je suis sûr que, en plus, cette console-là, plus tard, c'est une console qui s'est mal vendue. Ça va coûter un bras. Faut la garder. Il te faut juste un jeu DS acheté sur les serveurs. Ah ouais, on est obligé. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il y a moyen de faire autrement, quand même. À dénoyauter la ROM du jeu et mettre une ROM qui prend la main sur la console au démarrage. Il y a une série de trois failles successives. C'est pas un cold boot, mais c'est ultra efficace. Ok, très bien. Bah écoute, je regarderai ça. Je regarderai ça. Alors, quand c'est démonté, on en profite, on nettoie un petit peu, ça fait pas de mal. Faut que je remette cette merde. D'accord. Ok. Bon, je vais regarder ça. Oh, les musiques. On est parti pour aller danser tous ensemble. Et salut, Partivant! Comment vas-tu? Ah oui, d'accord. Comment tu fais pour modifier des fichiers dans la console si elle est d'origine? Ah, je suis un connard! J'ai rayé mon capot. Putain. Nique sa mère. J'ai le seum. Ah. Je l'ai rayé salement. J'ai trop le seum. Tant pis, c'est sur le dessous, ça passe. Eh bah dis donc, t'as de ces trucs toi. Donc on a notre pile qu'on va pouvoir remettre et qu'on n'est pas obligé d'enlever en fait. Ça c'est pas obligatoire de l'enlever. La Wii, un as. Excellent.
merde, comment c'était? Il y avait une petite et une grosse. On va dire que ça c'était comme ça. Et ça c'était comme ça. C'était pas ça? Merde. Et voilà. Bah, ça va pas, c'est pas la bonne vis, hein. Elle est où ma vis? Elle est déjà dessus. Putain, mais tu fais de ces trucs avec les consoles, c'est assez dingue quand même. Ok. Ces trois petites vis, elles allaient où? C'était elle, ok. Et là, c'était des grandes. Si je ne m'abuse. Mais c'était des grandes là. Si c'est facile à faire, faut que je regarde alors. Je vais regarder ça. Faut que je m'en occupe. Ça devrait être simple, si vous dites que c'est simple. Pirate! Hop, et plus que 3 vis. Et après c'est du cruciforme. Ah bah du coup j'ai inversé. On va les remettre comme il faut. Bah non, j'ai pas inversé, c'est bizarre ça. Coucou toi! Oh là là! Oh là 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 là! C'est curieux ça! On mange quand? Tu vas aller où toi? On mange quand? Hein? On mange quand? Bah là je finis ça et puis on mange. Donc, je vais pouvoir me renseigner sur comment faire.
Et voilà, on va pouvoir remettre avant ça. J'allais dire, on va pouvoir remettre tous les patins, mais non. Avant ça, on va la rebrancher pour être sûr. Parce que j'ai pas envie de me faire chier à enlever tous les patins. Ça s'allume. On va mettre un vidéo game. On va mettre Mario Kart 8 parce qu'on sait qu'il marche. On le lance. T'as bien raison. Et ça se lance. Et ça se lance, ça fonctionne, on peut l'éteindre. Hop. Ah non, enlever le CD, reviens. Reviens. Ah yes. Il me retire le CD, mais il se rallume. Pokémon épée bouclier. Montrer 10 jours en avance. Ah! Bah alors, on se fait gronder par tonton Nintendo. Ah bah oui, Nintendo, oui, il rigole pas, ça pour... Il y a que Emu Paradise qui rigole encore un peu avec eux. C'est assez marrant, d'ailleurs. Ah bah oui, ça c'est pas de ta faute, hein. Si t'as réussi à avoir le jeu, c'est pas ton problème, hein. Attends, il y a un vendeur qui te vend le jeu et... Il n'y a pas marqué que c'est interdit de pas y jouer avant, non? C'est ce que t'as publié sur Twitter? En soi, ça va, t'as pas non plus leaké tout le jeu. Ah merde, il va me manquer un patin. Bah merde, il est où? Je peux pas avoir perdu ça. C'est chelou ça. Raconte, raconte. Petit patin. Trop chelou, j'ai perdu un...
Un patin comme ça. Aucune idée de où il est, il doit être dans la console. Elle est à jour, c'est ça le problème. Mais non! Excellent. Ah oui, c'est sûr, ils devaient être bien contents que t'aies dumpé leur truc. Les cons. Un petit coup de nettoyage pour enlever les traces de doigts, car elle prend salement les traces de doigts cette console. Ah bah ouais, il faudrait, ça serait excellent. Ça pourrait être méga stylé. Après, ils vont te faire un procès sur vous n'avez pas le droit de divulguer ça. Ah bah ça pourrait être trop stylé. Bon, je suis un peu dingue d'avoir perdu mon petit patin. Je sais vraiment pas où j'ai bien pu le foutre. Je sais pas où il a pu se coller, ce con-là. Tant pis, hein. Eh bah tant pis. Ah, il est là. C'est éliminé. Ah bah oui, ça serait dommage. Surtout qu'on est quand même 17. Ça passe pas inaperçu. Il y a une VOD, il y a un lien. Il y a un lien entre tout le monde. Ça va être compliqué. Et ben voilà, ça c'est fait. Allez, on va pas parler politique. Ça ne sert à rien. En plus, j'y connais que dalle en Paul. En Popol. Donc, on se retrouve avec une console qui fonctionne. Alors, on n'a pas résolu le problème, mais au moins elle est clean dedans. Pas de thermique changé. Le problème est logiciel, on peut rien y faire, c'est la dernière version. Autant vous dire que c'est un peu compliqué, donc ça veut dire... Ça va finir hacked. Oui, ça je peux le faire aussi, oui. Moi j'ai essayé sur les DS, ça marche pas de ouf. Faut que je trouve un truc bien puissant. Pourtant celui que j'ai c'est une bonne marque, mais bon. Ah, d'accord, bon, écoute... Donc, on a notre console qui repart comme en 40. On est content. J'arrive sur la fin. Et oui, malheureusement, bah, je vais devoir aller manger. Et comme j'ai du monde ce soir, on va faire le grand ménage dans l'appartement. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Edouard avec, à ce qu'il paraît, mon appartement qui est dedans.
En plus d'être une bonne vidéo, il y a mon appart qui est dedans. Donc ça, c'est la classe. Et c'est sur quoi d'ailleurs? Sonic 2? Sonic 2, c'est sur quoi? C'est sur... Ouais, bah, de toute façon, il est sorti sur Mega Drive et sur Game Gear, ce jeu. Tu peux filer le lien? Bah écoute, avec joie, hein. On va filer le lien. Alors, si je vais sur YouTube, que je récupère la dernière vidéo d'Edouard, que je fais copie share, que je fais copy link, que je vais sur l'outil Twitch, que je vais dans tac, chat, say something past, voilà. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et donc j'ai mis ma maison, mes voitures, il manque plus que ma gueule, et je serai dans les... J'aurais tout mis sur Internet. Et pas de rien. En tout cas, je vous invite à me suivre sur Twitch et sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, vous-même, vous savez. Tiens, on va peut-être passer en... Hop, comme ceci. Hop, comme ceci. Voilà. N'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux et également sur Twitch pour recevoir les notifications. Faut activer la cloche d'ailleurs maintenant sur Twitch comme sur YouTube pour les notifications. Donc on n'hésite pas. On se dit à très bientôt pour un prochain stream. Lundi, mardi, je stream pas. Peut-être le soir. Je sais pas encore. On verra. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Je serai occupé toute la journée. Donc ça va être compliqué. Sortir les protos des divers jeux sur plusieurs supports. Ah, stylé. N'hésite pas à balancer les liens dans le Discord. Hein. Et donc, du coup, je vous souhaite à tous une excellente journée. Un très bon week-end également. Je vais juste regarder quel copain je peux host. Qui on a là? Et bah là, on va aller host. On va aller host. Oh, tac, 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 tac. Allez, on va aller host KD. En tout cas, merci d'avoir été là. Je vous souhaite... Et merci. N'hésitez pas à faire un petit coucou à Kaidi. Ça fait plaisir. Ah, bah en plus, il a même pas encore lancé son stream. Il me mange ma réplique. Salaud! N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. On se dit à très bientôt. Je vous fais des zoubis. Et puis à la revoyure, hein, comme on dit. Allez, des bisous et au revoir.